Malheureusement, ce n'est pas les circonstances de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici, c'est de savoir l'identité de Begré et qui l'avait nommé à Koundara. Confirmé par le président. C'est répondu. Hein. D'accord. Voilà. Une fois de plus, vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Begré. C'est ça. Bien. Ouais. Apparemment, vous êtes resté au pouvoir plus de 9 mois. Begré était sous votre commandement. Non, j'ai expliqué ça ici. S'il vous plaît. Ah ouais, explique. Posez la question. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, maître, excusez. Begré était sous votre commandement. C'est ça la question. J'en viens. Voilà. Vous n'avez pas pu connaître son nom et sa moralité. Il a répondu à ça. Et sa moralité. Non, alors je vais dire sur et, le commandement de qui. Et sa moralité. C'est pas la Begré. Il était d'une bonne moralité. Begré. Oui. Relève, j'ai décrit la structure de la présidence. D'accord. Voilà. Begré ne relève pas de moi. Très bien. Voilà. Ok. Mon commandant. Excusez-moi de dire mon commandant, sans toujours prononcer votre nom. Non, mon commandant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci. La garde présidentielle s'appelle régiment, hein? Régiment de la garde présidentielle. Les militaires qui le composent, oui ou non? Non, je n'ai pas dit ça ici. D'accord. Et rappelez-moi l'appellation. J'ai expliqué. Le long et à large, la structure à la présidence, c'est qu'un régiment. Un régiment, d'accord. Je vous ai expliqué ça. D'accord. Et vous pouvez confirmer qu'à la présidence, il y avait un ministre chargé de la sécurité présidentielle? Je l'ai dit ici, c'est officiel. Vous pouvez le confirmer? C'est officiel. Très bien. C'est officiel. Ok. Je suis bleu, hein? La sécurité présidentielle ne commande-t-il pas le régiment de la sécurité présidentielle? Non, j'ai défini. Quittez dans la forme là. Non. Ça, je vous dis, quittez dans cette forme. Monsieur Gakite, s'il vous plaît. Ok. Je reprends encore. Ah ouais, merci, monsieur le président. Vous pouvez répondre par oui d'accord, ou par non. Merci, monsieur le président. Ou bien vous dites. Que vous ne répondez pas à la question. Merci, en ce moment, le tribunal merci. Va apprécier. Merci. Ok, merci. Voilà. Donc, vous non. Répondez aux questions. Ah, d'accord. Parce que quand on dit sécurité présidentielle, oui. Il y a un ministre chargé de la sécurité présidentielle. Mm-hmm. Moi, je comprends par là toute la structure du premier au dernier militaire chargé de sécuriser le président de la République. C'est pas ça? Ah, il est ici, vous le posez la non, question. Non, non, c'est à vous que moi. Je pose la question. Je ne réponds pas. D'accord. Et, monsieur le Président, je relève que l'accusé regarde de gauche à droite avant de répondre aux questions. Ah, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vérifiez, comme vous êtes très proche de qu'il lui. Qu'il arrête de se mouvoir? Non, non, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez alors? Non, dites clairement ce que vous voulez. Hein. Si c'est possible, on va le lui demander. Je passe. Je passe. Allez-y. Merci. Monsieur, mon commandant, comme tel, ministre à la présidence, chargé de la sécurité présidentielle, vous, aide du camp du chef de l'État, n'étiez-vous pas placé sous la direction et le commandement de ce ministre? Non, l'aide du camp ne relève. Ça, c'est la confiance totale du président qui le nomme partout. Très bien. Voilà, ça il ne relève pas de là-bas. Voilà. Donc vous étiez un homme de confiance du président de la République. Voilà, c'est bien. Le jour qui a été joué, que ça c'est pas comme ça. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Ah. Ne regardez question, pas maître. Ce que votre avocat écrit, répondez à ma question s'il maître, vous plaît. Laissez ses avocats non, tranquilles, je posez la moi. Question pardon? S'il vous plaît. Non, j'écoute bien, si vous posez la question, j'écoute. D'accord. Je suis attentif. Ok. Maître. Maintenant, je voudrais savoir. Oui, maître. Vous confirmez effectivement
avoir fait le déplacement avec le président de la République à l'abbé. Oui, maître. D'accord. Et vous confirmez que vous êtes revenu le 27. Oui, le 27, le petit matin du 27. Avec monsieur Raphaël. Raphaël? Oui. Qui ça? Abba. Hein? Oui, avec Cécé. Cécé. Oui, Cécé. Ouais, Cécé, Raphaël. Mm. Très bien. Et quand vous êtes revenu, chacun de vous est rentré se coucher. Non. Mais vous, vous êtes rentré vous coucher. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Et je disais... Oui. On est rentré à le petit matin, non? Oui. J'ai dit après, les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures. Oui. Hein? Maître, c'est ça, je non? Je suis, oui. Merci beaucoup. Mm-hmm. Jusqu'aux environs de 10 heures, oui. Où le président, il y avait une manifestation de soutien, mm-hmm. Le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause, lui devait se reposer. D'accord. Après, le général aussi nous a instruit, moi et Marcel, comme quoi il a un déplacement urgent, bon, qu'on a caressé. Voilà, moi je suis rentré vers 17h pour me reposer. D'accord. C'est ce que j'ai expliqué. Merci. Et sur le lendemain, une équipe est venue vous réveiller sous rappel du président. Non, dans votre client. Lequel? Marcel, capitaine Marcel. D'accord. Donc, c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller. Oui. Que le président avait besoin de vous. Oui. OK. Et vous vous êtes rendu auprès du président de la République. Oui. Il était encore présent là-bas. Marcel était présent encore. D'accord. Ah. Et on vous a informé que ça n'allait pas au non. Stade. Le président ne m'a pas informé. C'est la première équipe oui. qui était venue me réveiller le matin, oui. dont Marcel faisait partie. Oui. C'est ce qui m'avait fait comprendre. D'accord. Donc, mais la deuxième équipe... Oui, c'est bon. Hein? Voilà. D'autres questions. Mais pourtant, dans l'ordonnance de renvoi, il est précisé, le président lui-même dit que c'est son aide du camp chargé des opérations Feu Makambo qui l'avait informé que ça n'allait pas au stade, pas vous. Que répondez-vous? Je suis d'accord. C'est pas ce que j'explique. Je ne sais pas si on se comprend là. Oui. Non, j'ai dit. Oui. C'est ça. Je ne sais pas quelle est la question. La question est que. Moi, je ne crois pas que vous avez pu rencontrer le président avec Marcel. Non. C'est pas nous qui avons informé le président. Oui. C'est-à-dire que le président était informé. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel d'accord. je suis venu trouver le président d'accord. avec le même groupe. Voilà. C'est pas ça que j'ai expliqué. Voilà. C'est bon. Donc ça veut dire que vous étiez dans votre premier étage. Merci. En train de vous reposer. Oui. Et que c'est par la suite, vous qui êtes chargé de sécuriser le président de la République. Oui. C'est d'autres personnes qui viennent vous informer que le président a besoin de vous. Et c'est devant le président que vous apprenez que ça ne va pas en ville, non, c'est ça? Non, c'est le président, oui. les hommes que je commande, oui. c'est-à-dire le salon, oui. et ils relèvent de moi. D'accord. Et je vois, d'accord. je vous ai dit, oui. mon capitaine Marcel, oui. c'est un électron libre. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est un électron libre, maître. Il n'est pas libre. Non, c'est comme ça. Laissez-le répondre, mais d'accord. ne discutez pas la réponse avec allez-y. L'accusé, s'il vous plaît. Oui. Laissez-le parler. Oui. Il n'a aucun acte officiel. Oui. Mais il est le bébé gâté. D'accord. Tout ça, c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand on vous a invité que vous avez été informé que voilà. ça ne va pas. Oui. Oui. Non. C'est pas quand on m'a invité. Mais il faut qu'on se comprenne. Oui. Ceux qui sont venus me réveiller, oui. c'est eux qui m'ont informé. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé oui. là-bas? C'est-à-dire qu'ils étaient trop sous tension. Ils étaient pas. Ils disaient qu'il faut que la garde sorte. Donc c'est la discussion là. Oui. Et pendant ce temps, le lieutenant à l'époque, Georges, lui, il était au téléphone. Il a procédé à des infiltrations. J'ai dit non. Personne ne sort. C'est bon, voilà. c'est bon. D'accord. D'autres questions, maître. Ok.